Bonjour les amis, vous êtes bien sur Super Héros et Compagnie. Je vous propose aujourd'hui de jouer avec ce jouet de la Pat' Patrouille. Et nous allons continuer notre collection de jouets Pat' Patrouille Mission Secrète avec aujourd'hui Rocky et son karting de réparation. Le véhicule est tout petit et bien sûr fourni avec une figurine de Rocky. Mais ce n'est pas tout, vous y trouverez également une carte de mission qui marche avec le Pup Pad, la tablette que porte Ryder. À l'arrière de la boîte, on voit les autres véhicules qui sont disponibles dans la même collection et nous avons déjà testé Zuma et son Hydroski. Et ces nouveaux jouets sont compatibles avec le nouveau camion Mission Secrète. Il est juste derrière, on verra ça d'ici quelques minutes. Et maintenant, il est temps pour nous de déballer le jouet pour qu'on puisse le voir de plus près. Voici donc tout ce qui était fourni. Le véhicule, le personnage et la carte de Mission Secrète. Et on va justement commencer par nous intéresser à cette fameuse carte, la voici. À l'arrière, sur le côté gauche, il y a comme une espèce de code barre qui sera lu automatiquement par le Pup Pad de Ryder. La carte de mission de Rocky est naturellement verte, et j'ai comme l'impression que sa mission aura un rapport avec Bettina la vache. Nous connaîtrons le détail de la mission un petit peu plus tard lorsqu'on l'insérera dans le Pup Pad. Jetons maintenant un œil à la figurine de Rocky. Et Rocky porte pour l'occasion une toute nouvelle tenue. Elle est naturellement verte comme d'habitude puisque c'est sa couleur préférée, mais il y a également des touches de noir, du noir brillant et du noir mat du plus bel effet. Rocky a ici tout l'équipement nécessaire au bon agent secret. Il a même des micros directement intégrés dans son casque. C'est le second personnage à intégrer l'équipe des Mission Po, Mission Secrète. Il vient rejoindre Zuma et son Hydroski. Jetons maintenant un coup d'œil au véhicule de Rocky, le kart de réparation. Comme vous le voyez, il est vraiment tout petit et il a des grosses roues de karting. Il doit être super stable et hyper maniable. Il est naturellement vert comme d'habitude puisque c'est la couleur de Rocky et il porte le numéro 5 de la Pat' Patrouille. Et pour faire de bonnes réparations, ce véhicule est équipé à l'arrière d'un bras articulé avec une pince au bout. Et pour vous rendre compte de la petite taille de ce karting, comparons-le avec le véhicule normal de Rocky, ici en configuration Jungle Rescue. La différence est énorme, il pourrait presque porter ce kart sur ses fourches, et il pourrait presque même le ranger à l'arrière de son véhicule. Allez Rocky, il est maintenant temps de tester ton karting. Contact et c'est parti. Plutôt que de jeter, il faut recycler. Rocky, prêt pour une nouvelle mission secrète. L'agent Zuma vient le rejoindre. Ouah, Rocky, il est super ton nouveau véhicule. On part en mission ? Non Zuma, j'attends Ryder, je n'ai pas encore lu ma carte de mission, mais il devrait pas tarder. Et justement, le Pup Pad est arrivé, nous allons enfin pouvoir connaître la mission secrète de Rocky. Ruben est déjà sur place, en route pour une nouvelle mission secrète. Ryder arrive avec le nouveau camion patrouilleur. Waouh, il est vraiment trop chouette ce nouveau pad patrouilleur. Prête pour une nouvelle mission, pad patrouille? Je vous ouvre la soute, vous allez pouvoir embarquer. Attendez-moi les amis, je viens avec vous.
Vérification de la mission du jour. Destination confirmée. Attention au départ, fermeture de la soute. Rangeons la carte de mission dans le coffre avec les autres cartes et on est prêt pour le départ. Aucune mission n'est trop dure car nos amis, ils assurent et c'est aujourd'hui encore vrai avec ce nouveau jouet Mission Po de la Pat Patrouille, Rocky et son karting de réparation. Il vient rejoindre la collection de la Pat Patrouille Mission Secrète qui était déjà complétée par Zuma et son hydroski et par le Pat Patrouilleur Mission Secrète juste derrière et il y aura bien entendu tous les autres membres de la Pat Patrouille qui vont également arriver. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires et comme d'habitude des pouces bleus, abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait en cliquant sur mon logo qui s'affiche actuellement à l'écran et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de la Pat Patrouille sur Super Héros et Compagnie bien sûr. Bye bye les copains.